Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Eh, il m'est arrivé un truc de malade. J'étais au pieu avec ma meuf. Avec ta meuf? Au pieu? Mais comment tu parles? Ouais, et là mon pote, j'ai eu une révélation. Alléluia! Je vous explique, en ce moment je m'entraîne à imiter le vocodeur, comme ça. Bon, c'est pas tout à fait ça. Mais par contre, avec ça mon pote, tu peux faire une chanson en anglais, même si tu sais pas parler en anglais, et ça passe. Démonstration. Tu prends un beat à 130 BPM. Après dessus, tu nous cales une petite basse. Une petite basse. Derrière, je te rajoute 2-3 Charleston. Après, on plaque un petit accord des familles. Pour agrémenter, on met un petit... Et pour terminer, t'enregistres des bruits de sèche-cheveux. Une fois qu'on a ça, c'est bon, on peut passer au texte. Alors pour le couplet, on va éviter de choisir des mots qui sonnent trop locales, genre tartiflette, raclette, caramel au beurre salé. Gabin ! Gabin ! Il est où le gabin ? Gabin ! Gabin ! Ça, on évite. On va plutôt choisir des mots qui claquent, genre Headers, Matters, Mark Landers, Dan Bolanders, Sandy Sanders. Et pour le refrain, on choisit uniquement Baby comme mot. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Vous êtes hyper chers, vous êtes grave. Allez, on y va. Alors, on n'est pas bon là? À moi le monde! Quand le confinement sera terminé. Bon, ça l'empêche pas, on garde quand même le sourire. À la prochaine!